Hey, salut à tous, c'est la Zombie Factory. C'est avec plaisir qu'on vous propose aujourd'hui un nouveau petit glitch. N'ayons pas peur de mots, un petit glitch sur GTA V. Donc tout le monde sait que tout bon GTA se joue avec des bugs, donc voilà, on le fait sans scrupule. Aujourd'hui, on va vous montrer comment monter 1 million de RP par heure, votre personnage principal. Et pour ce faire, je vais vous laisser The Matrioda vous expliquer la manip. Tout à fait, donc ça se passe dans un mode de jeu, il va falloir être deux joueurs. Il suffit simplement de faire start, d'aller dans le en ligne, dans les activités ensuite, d'aller dans le menu héberger activités, ensuite dans créer par Rockstar, vous rentrez dans le menu duel et vous lancez le duel qui s'appelle comité d'accueil, c'est le dernier tout en bas. Donc voilà, en fait c'est une mission ou à deux où il y a quelqu'un qui va devoir escorter un homme d'affaires et l'autre qui va devoir essayer de l'empêcher. Donc la personne qui va pouvoir faire le glitch et qui va pouvoir XP, aller limiter, ça va être la personne qui sera dans l'équipe garde du corps. Donc voilà, donc la personne qui va en fait escorter l'homme d'affaires. Donc concrètement, comment ça va se passer? Il va falloir que vous preniez le 4x4 qui va être juste devant vous. Prenez bien le 4x4, pas la limousine, elle sera trop longue pour le bug. Une fois que votre homme d'affaires est monté avec vous, vous l'escortez jusqu'à votre villa. Donc le personnage de l'équipe adverse, votre pote, peut vous suivre, mais il ne faut pas qu'il s'approche trop près de la villa, sinon ça va déclencher un conflit. Vous passez le portail et vous garez le 4x4 sur votre droite directement après le portail. Et là, vous faites descendre votre personnage et vous allez rapidement jusqu'au rond jaune. Donc en théorie, l'homme d'affaires que vous escortez n'aura pas le temps de vous suivre. Et là, vous allez voir les plus 100 RP se déclencher de façon indéfinie. Et donc voilà, le bug consiste simplement en restant là. En fait, vous n'avez rien à faire à part bloquer votre joystick de vue, histoire que vous ne soyez pas exclu de la session. Et enfin, puisque la barre du haut bug, si vous voulez une idée plus approximative du nombre de levels que vous prenez, il vous suffit simplement de faire la flèche du bas sur votre manette. Donc c'est un glitch vraiment facile, vous avez même besoin de rester devant votre télé. Si vous calez bien un élastique sur le joystick droit, bah vous serez pas exclu de la session et vous pouvez aller faire vos petites courses, votre petit ménage, tout ce que vous voulez. Après les 10 mois, on vous conseille vraiment, si vous débutez sur GTA V, franchement ne gâchez pas votre jeu, essayez de passer les niveaux normalement. Nous en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait vraiment les missions 10 ou 15 fois à la suite. On a essayé de monter les niveaux normalement. Et voilà, à partir du niveau 75, il n'y a plus de nouvelles missions, on s'embête un petit peu. Du coup, j'avais envie d'avoir le lance-roquette et le minigun au niveau 120. Du coup, voilà, bon, on a fait le petit glitch et y arriver plus facilement. Enfin, voilà, après, c'est un jeu où tout le monde triche, c'est GTA et puis voilà. Bon, par contre, on vous conseille de le faire rapidement parce que Rockstar sont vraiment au taquet sur les patchs et les corrections de bugs. Il y avait un autre glitch qui était sorti il n'y a pas longtemps, ils l'ont corrigé super vite. Donc voilà, on vous donne l'info, mais profitez-en rapidement et si c'est patché, bah, malheureusement, ils auront été plus rapides que vous. On espère que cette vidéo vous a plu, profitez-en. On vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt. Gros bisous tout le monde, à très bientôt!